Je vois les jours passer, chaque heure défiler, le personnel hospitalier. C'était hier encore, où sans le moindre effort, je m'exprimais sans parler fort. Je vois le temps d'avant, lorsque j'étais enfant, dans le village de mes parents. Ces souvenirs lointains se perdent en chemin, mon dernier souffle c'est demain. Mon dernier souffle c'est demain. Mon dernier souffle c'est demain. J'entends dans le couloir des bruits un peu bizarres, des résidents un peu hagards, des râles continus, des souffrances accrues et des personnes assez perdues. C'est l'heure du repas, je ne descendrai pas car je n'ai plus de force en moi. Je veux rêver ma vie, échapper à l'ennui pour mon dernier après-midi. Pour mon dernier après-midi. Pour mon dernier après-midi. Personne, malgré mon sonotone, mais les nouvelles ne sont pas bonnes. Les yeux du médecin traduisent le chemin qui se rapproche de la fin. Mais je pars sans regret, d'ailleurs je l'ai noté il y a quelque temps dans un cahier. On trouvera plus tard au fond de mon tiroir quand j'appartiendrai à l'histoire. Quand j'appartiendrai à l'histoire.